Salut à tous. On se retrouve pour cet épisode qui sera le dernier avec la Montesa. Je l'ai vendue juste après en fait. Et donc vous allez découvrir très très vite la prochaine moto. Donc ceux qui suivent déjà un petit peu sur les réseaux, notamment sur Insta, savent ce qui va suivre. Mais sinon, ouais, ça arrive mercredi à 18h30, présentation de la nouvelle moto. Et en attendant, je vous laisse découvrir cette dernière vidéo avec la Montesa. J'avais un peu de mal parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de trial. Et c'est un petit peu galère le trial si tu pratiques pas très très souvent. Et c'est vrai que j'en ai un peu chié, mais ça fait quand même du bien. Et je dis pas au revoir au trial pour autant tout de suite. Tout va bien. Ça va? Oui, t'inquiète. À l'habitude. Elle est costaud. Elle est costaud, c'est incassable. D'habitude, je prends à gauche, tu vois, j'ai pas osé, en fait, j'aurais dû. Puis c'est un embrayage là. À gauche, en fait. À gauche, c'est quand même un peu plus tendu quand même. Et avec la gaz, ça passait dans 125. Ouais. L'autre fois, je l'avais fait avec Thomas, avec la Montesa. Lui, il avait la gaz de son père. Ce truc, c'est que là, cet embrayage, tu vois, regarde. Il m'a filé, bon, c'est cool, hein, tu vois, j'ai un levier au moins, mais. Du coup, j'ai plus aucun feeling. Ah oui, ça remonte. Parce que ça remonte trop, tu vois, il faudrait dévisser la vis, mais j'ai pas la clé là. C'est le moment où ça part, tu vois. Attends, déjà ça va remonter. Ah, je sais pas s'il faut que je le rentre, que je le sorte plus ou que je le rentre plus en fait, tu vois. Oh, merci. Bon, mais allez, maintenant tu redescends. Hein. Allez, allez. Elle est montée. Ouais. Mais c'est dingue, tu vois, j'ai plus de mal à monter des grosses marches comme ça avec la montée sac qu'avec la gaz-gaz. Après, je pense que tu te fais un peu emporter par l'inertie quand même. C'est ça, il y a plus d'inertie. Puis la 125 gaz-gaz, c'était quand même un jouet, tu vois. Ouais.
Ah oui. Goodbye, my friend.